C'est l'heure. Mettez vos masques. Entendu. Allumez-les. Bien reçu. C'est clean ici. Ils existent vraiment. Ils sont bien là. Allons-y. Vous vous rappelez ? C'est pas à moi qu'il faut dire ça. Vous arrêtez pas. Bienvenue dans l'opération Deadbolt. La chef souhaite s'entretenir avec vous. On m'a embauché pour poursuivre mes recherches sur la production d'énergie à partir d'interactions n-dimensionnelles. C'était purement théorique. Au départ, en tout cas. Quant à Zakaev, j'ignorais totalement que je travaillais pour un terroriste. Vous mentez. Je pensais vraiment que c'était le PDG. Non, je suis physicienne, pas devin. Et
Puis, je n'aurais pas eu à travailler pour lui, ni personne, si vous autres ne m'aviez pas ignoré. Zakaev continue de se balader avec de l'éther de qualité militaire. Et il se trouve que je sais de source sûre qu'il le garde toujours sur lui. Pourquoi je vous dirais ça si je voulais le protéger? Écoutez, je connais par cœur cet élément, au proton près. Je suis presque certaine de pouvoir trouver comment le neutraliser. Presque, ça suffit pas. Vous pouvez le faire, oui ou non? Je crois que ce serait une bonne idée de l'écouter. S'il vous plaît, je dois arranger ça. Je suis sans doute la seule à pouvoir le faire. J'espère que vous avez raison. L'extraction se passe bien. Cet éther va nous rapporter très gros. Quand j'en aurai enrichi pour en fabriquer davantage, vous pourrez faire ce que vous voulez du reste. On fait quoi de notre déserteuse? On n'a plus besoin d'elle. Trouvez-la et tuez-la. Vous voyez, le test est un vrai succès. On peut constater que le neutralisateur déstabilise tous les terres se trouvant dans son champ d'action. Ce qui reste des éléments se décompense rapidement en isotopes inoffensifs. Mais, dans le cas présent, c'était de l'éther brut, non traité. Alors que la fiole de Zakaev contient un matériau hautement enrichi. Et d'après mes prédictions, cet éther de qualité militaire est capable de résister à notre prototype. Autrement dit, c'est un échec. C'était une perte de temps et d'énergie. Pas du tout. Le principe a été confirmé. Il suffit maintenant d'amplifier le neutralisateur et de recalibrer sa puissance. Et vous pouvez faire ça, j'espère. Pas tout à fait, mais Zakaev est parvenu à récupérer les recherches d'un expert de l'enrichissement de l'éther. Strauss. Un vieux pote à vous. Les amis sont un luxe que je peux rarement m'offrir. Zakaev a caché les recherches de Strauss dans un coffre. Il est lourdement gardé. Mais je suis sûre que ces documents contiennent la solution à nos problèmes. On n'a pas le temps pour ça. Nous devrions chercher Zakaev. Et qu'est-ce qui se passe si on le trouve, Il libérera le contenu de sa fiole et on n'aura rien pour le contrer. Deadbolt devrait être largement capable de le contenir. Mais si l'objectif est de l'arrêter, le neutralisateur est la meilleure option. Bien. Chopez les données de Strauss. Voyez ce que le docteur Jensen peut en tirer. Et voilà.
j'ai entendu une voix. Quelque chose... m'appelait... m'appelait de l'au-delà. Amenez-les au trou. Green mènera les interrogatoires. Aucun signe de Zakaev. Il est peut-être blessé, mais il est toujours vivant. La prochaine fois qu'il se montre, je le plombe. Qu'en est-il du neutraliseur ? Dobbs, quelle est la situation ? Dites-moi que vous avez de bonnes nouvelles. Négatif. L'explosion a été efficace, mais les contacts de l'éther noir se reforment. Et merde ! Je relève aussi une grande quantité d'énergie dans la zone rouge. J'ai jamais rien vu de pareil. Eh ben, on s'est fourré dans une belle merde, moi je vous le dis. Tout le monde retourne à la base. Je dirais bien que cette opération s'annonce encore très longue. Veng, Ravnov, prêt pour l'évacuation. Bien reçu. Attendez, arrivez dans 2 minutes.